À la Roque d'Anteron, nichée au cœur du Luberon, le festival de piano avec cette année une grande dame qui se produit de façon tout à fait exceptionnelle, Marta Argerich, pianiste argentine qui domine la scène depuis plus de 30 ans. Isabelle Bechler et Delphine Paris-Mickler. D'habitude, ils viennent presque les yeux fermés. Ce soir, c'est pour écouter une des plus grandes. Cette année, il n'était pas question que je vienne à la Roque d'Anteron sans écouter cette dame. Elle a un peu ce jeu félin, celui si particulier. Marta Argerich est coutumière des annulations de dernière heure. Ce soir, miracle, elle répète. Elle a une force incroyable, beaucoup d'énergie. Et elle comprend la musique comme personne. Elle est indomptable. Elle sort totalement de l'ordinaire. Elle a une personnalité très forte. Elle est extraordinaire au niveau de la technique surtout. Après plus de 30 ans de récitals fulgurants et un répertoire qui a touché à tout, elle ne joue plus jamais seule et entraîne de jeunes interprètes avec elle. C'est comme si elle nous prenait par la main, effectivement, et qu'elle nous emmenait. Moi, je me souviens, la première fois qu'on a joué avec elle, c'est comme si elle nous avait emmenés dans des endroits qu'on n'avait jamais découverts, jamais visités. Et en plus, elle nous entoure. Et ça, c'est un double privilège. Elle est jamais intimidante ? Elle l'est toujours. C'est merveilleux. Moi, je m'entends très bien avec eux. On a beaucoup joué ensemble, on rafraîchit les choses comme ça, on joue jamais pareil, comme ça, on fait de la musique. À chaque fois qu'elle se produit, c'est un enchantement pour son public et une véritable redécouverte des œuvres qu'elle interprète.